Petit sourire. Voilà. Comment tu t'appelles? Jacqueline. C'est un appareil intelligent, hein? Il prend les photos et retient qui c'est. Voilà. Regarde par ici, Jacqueline. Voilà, un petit sourire. Attends, je vais me mettre comme ça. Voilà. Tiens dessus. Attends, je vais aller un petit peu plus loin là-bas. Regarde là, attends ici. Attends, comment tu t'appelles? Dominique. C'est un appareil intelligent. Attends. Il ne veut pas te prendre. C'est un appareil intelligent, je l'ai dit, attends. Ah oui, ça y est, il a réfléchi un petit peu, mais c'est vrai, hein, attends, regarde, tu veux te voir, regarde, hein. Regarde, ça c'est toi. Hé, c'est pas de l'esbrouf, c'est pas du stouf, c'est du vrai. C'est pas à moi, hein, c'est à Quindy, mon régisseur, là, tu vois, ce cadre. Attends, on va aller un petit peu ici, comment tu t'appelles? Sabine. Et voilà. Sabine, regarde, c'est fantastique, hein, regarde. Hein. Je vais te cadrer. Attends, je te cadre. Tu vois? Voilà, ça c'est toi. Non, ça c'est moi, évidemment. Attends, on va aller un petit peu. Attends, ici j'ai un zoom. Comment tu t'appelles? Mais non, pas toi, hein, madame à côté. Attends. Monique. Ça c'est mieux pour une femme. Non, mais Alain, ça va pas du tout. Attends, j'ai un zoom ici. Zoup! Où est-ce que tu es? Ah non, tu es là, attends. Attends, ici comme ça, là, j'ai un gros plan de Monique. Tu vois, tu as quelque chose ici. Ah, c'est pas vrai. Hop, et voilà. C'est l'an 2000, hein. C'est formidable, hein. Attends, là, comment tu t'appelles? Sylvie, pourquoi ils rigolent tous? On te connaît ici, peut-être. Sylvie, mais tout le monde la connaît. Alors, attends. Voilà, hop, c'est fantastique. Hein. Moi, je connais rien du tout à la photo, mais ça, c'est quand même fantastique. Hein. Je vais prendre une photo de groupe aussi. Attends, je vais prendre une. Oui, mais comme ça, je peux montrer aux autres qui étaient là. Comme ça, il n'y a pas de raison. Hein. Attends, vous prenez des photos de moi, je peux prendre des photos de vous. Voilà, hop, comme ça j'ai tout le monde, c'est fantastique. Moi je connais rien. J'ai acheté un appareil photo, parce que ça c'est pas un appareil photo, hein. C'est un bête ordinateur. Hein. C'est un bête ordinateur. Hein. Regarde, il n'y a même pas de film dedans, tu vois. C'est une disquette, c'est pas un film. J'espère. J'ai touché à rien, hein, Quindy, j'ai touché à rien. Hein. Non, mais j'ai acheté moi un appareil photo quand j'étais en vacances l'année passée. Eh bien, j'ai acheté un appareil jetable comme ça. Moi, c'est de la merde. J'ai pris des photos beaucoup, hein, et puis j'en avais pas une, mais je l'ai jeté après. Qu'est-ce que c'est? C'est marqué dessus aussi que c'est jetable, hein. C'est de la merde. Hein. Non, c'est cher ça, Quindy. Ça, c'est cher. 4 000 quand même. 40 000! 40! C'est des anciens euros peut-être. Hein? C'est 40 000! Tiens, tu peux l'avoir de retour. Moi, je vais racheter un appareil jetable. J'ai peut-être pas de photos, mais c'est beaucoup moins cher. Hein? Ou alors, je vais demander à Raoul qu'il achète ça avec moi. Raoul, mon beau-frère. Ça, c'est un imbécile, celui-là. Parce qu'il faut, un appareil comme ça. Il faut un ordinateur pour mettre la disquette dedans. Ça marche comme ça, et puis il faut une imprimante. Donc, l'appareil, c'est pas un appareil qui prend des images, c'est un appareil qui prend des numéros. C'est pour ça que ça s'appelle numérique. Donc, quand tu prends la photo, hein, ça fait clic, hop, et puis la disquette, hop. Elle a des numéros. Tu prends une deuxième photo, hop. 3, 4, 5, 6, hop. Et alors, la disquette, elle est pleine. Alors, la disquette, elle va vers l'ordinateur, comme ça. L'ordinateur, il voit arriver la disquette. Il fait, ah! Là, la disquette, elle en profite. Hop, elle plonge dans l'ordinateur. Hop, ça va vers l'imprimante. Et sur l'imprimante, ça imprime la photo. C'est fantastique. Je vais demander à Raoul. Je vais lui dire, on va acheter ça à deux. Lui, il achète l'appareil, il achète l'imprimante, il achète l'ordinateur et moi, je fais les photos. Ça, c'est un bon... C'est un bon deal, ça. C'est un imbécile, il va faire ça.
C'est fantastique, c'est l'an 2000. Quand tu penses, il y a, allez, un siècle, ce qu'il fallait pour faire une photo, il fallait une caisse comme ça, en bois, hein, une grosse caisse, hein, c'était lourd, hein, il fallait mettre ça sur des échafaudages comme ça, tellement sur des pieds, quatre pieds, c'était lourd, c'était pas beau. Le photographe, il se cachait derrière une couverture, tellement il avait honte de ça. Il avait juste sa main qui dépassait avec un petit bouton. Et alors il disait, attention, le petit oiseau va sortir. Il n'y a jamais personne qui a vu ce petit oiseau sortir. Tout le monde regardait, hein, pour voir le petit oiseau du photographe qui allait sortir. Jamais, il regardait trop bas, évidemment. Hein, oui, toutes les photos étaient ratées. Tout le monde était comme ça, là-dessus. Oui, mais c'est... Quel progrès, pourtant c'est une belle invention. Hein, c'est vrai que le photographe, l'appareil photo, c'est une belle invention. C'est de là que vient le cinéma. Parce qu'après, il y a eu la pellicule et tout ça, on a fait des rouleaux de pellicule, on a mis ça dans une caisse en bois aussi, avec une manivelle. Hein, et alors on tournait la manivelle, la pellicule passait, ça prenait des photos, tu repassais la pellicule après, et alors tu voyais les gens qui... C'était comme ça. C'était une grande invention. C'est que l'ancêtre du cinématographe, c'est un Belge qui a inventé ça. C'est un Belge, il s'appelle Joseph Plateau, et il a inventé le phénakistiscope. C'est vrai, c'était un disque comme ça, avec un cheval qui était dessiné, tous les mouvements d'un cheval au galop. Et alors tu tournais le disque, il passait devant une petite fenêtre, et alors tu voyais cataclope, 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 cataclope. Cataclope, tu devais faire toi-même, ça c'était pas dedans, évidemment. Le phénakistiscope. Ben, on a un peu oublié ça, hein, parce que c'est vrai, on dit pas. On dit je vais au cinéma, on dit je vais au cinoche. On dit pas je vais au phénakististoche. Hein, on a oublié ça, mais c'était une grande invention, mais allez, le téléphone, c'est l'an 2000, le téléphone. Qu'est-ce que c'était le téléphone il y a un siècle? C'était une caisse en bois. Quand tu avais fini ta photo, tu la calais au mur. Hein? Tu mettais une manivelle là-dedans. Et alors la manivelle actionnait une dynamo à l'intérieur. Il y avait une dynamo. Encore une invention belge, hein, ça. C'est Zenob Gram qui a inventé la dynamo. C'est vrai, hein, Sylvie? Ben oui. C'est le fils d'Albert Kilo. Zenob Gram, c'est lui qui a... Oui, ben allez, tout le monde a cette question à l'école, hein. Dynamo Kiev, Zenob Gram, voilà. Donc, et alors, tu faisais tourner la manivelle, hein, et ça actionnait la dynamo, ça donnait du courant, le courant il allait jusqu'à la centrale téléphonique, et là il y avait madame, hein, avec tous des câbles comme ça, elle mettait des pins dans des trous pendant toute la journée, comme ça. Ça allait vite, vite, elle se tricotait bien, hein, celle-là. De temps en temps, tu avais un pull avec un câble téléphonique dedans, mais ça c'était... Et même quand il n'y avait que deux abonnés, au début, il n'y avait que deux abonnés. Il y avait le numéro 1 et le numéro 2. Et le numéro 1 voulait téléphoner au numéro 2. Eh bien, il devait tourner la manivelle. Ça allait au central téléphonique. Là, la madame, elle avait deux câbles. C'était plus facile. Elle le mettait comme ça, c'est simple. Et alors, quand c'était fini, elle décrochait. Hein, c'est tout, hein. Mais alors, il devait demander, madame, je voudrais parler au numéro 2, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. 10 minutes après, elle reprenait. Elle disait, c'est occupé. Ça, c'était déjà pas possible. Ça démarrait déjà mal. Si le 2 était occupé, ça devait être avec moi quand même. Hein? Enfin, là, maintenant, il y a un progrès là-dessus. Maintenant, tout le monde a son téléphone pour son GSM. Le GSM. Le GSM. Enfin, c'est les mêmes lettres. Hein? C'est le téléphone portable. Allez, ça. Beaucoup plus de possibilités avec le GSM. Allez. Le GSM, ça peut être... En réseau, ça peut être à plat, ça peut être volé, ça peut être perdu. Tout ça, tu n'avais pas avant. Il y a beaucoup plus du progrès, c'est un grand, grand progrès. Non, mais on sent qu'on est dans l'an 2000. Avant, les moteurs, pour faire démarrer une voiture, c'était à la manivelle. Il n'y en a pas qui ont connu ça ici. Moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai eu une deux chevaux. Enfin, j'ai eu une deux chevaux. J'avais juste la manivelle, ça allait sur toutes les deux chevaux, hein. C'était pas difficile, hein. Tu devais pas acheter, il y avait des magasins de manivelles, tu allais acheter une manivelle, tu la mettais dedans, hop, ça démarrait.
C'était beaucoup plus simple. Hein. Beaucoup moins d'embouteillage. Hein. Alors, tout le monde utilisait la même voiture. Et avant ça, pour mettre un moteur en route, il fallait chauffer le moteur. Il y avait un type avec un chalumeau. Oui, oui, il chauffait la culasse du moteur pour mettre ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un chauffeur. Non, mais c'est vrai, on dit un conducteur, mais on dit un chauffeur. On chauffait, hein, donc on chauffait bien la culasse. Et quand le moteur avait bien chaud dans la culasse, hein, on mettait la manivelle dedans, hein, on tournait et ça démarrait. Voilà. C'était aussi une invention belge, hein. C'était le moteur à explosion. C'est toujours le moteur à explosion. C'est une invention belge, ça. C'est Étienne Lenoir qui a inventé le moteur à explosion, c'est vrai. Les Belges, ils ont inventé beaucoup de choses. Hein. Si on y pense, le saxophone, Adolf Sax. La bakélite, c'est Bakeland. C'est vrai, c'est Bakeland. Non, les Belges, ils ont inventé beaucoup. Moi, je me demande si c'est pas les Belges qui ont inventé les Français. Je peux me tromper, mais... Je me demande. Non, mais on aime bien les Français. Hein. On a beaucoup de tendresse pour les Français. Hein. Il y a des Français dans la salle? Oui! Ah oui, il y en a quand même. Hein. Non, parce qu'en général, quand ils ne sont pas en nombre, ils ne se manifestent pas trop. Mais enfin, non, mais on a beaucoup de tendresse pour les Français. Et ils nous le rendent bien, d'ailleurs. Hein. Vous savez que les Français ont un gouvernement. Nous aussi. On a même deux ou trois gouvernements. Quand il y en a un qui tombe, on a tout de suite un autre pour remplacer. Donc. Et dans le gouvernement, enfin, les gens du gouvernement font partie aussi de l'Assemblée nationale française. Et alors, j'ai dans mon livre ici, hein, je mets de tout ici, hein, dans mon livre, c'est mon recueil. Je mets les photos que j'ai prises ici, de Sylvie, de Monique, tout ça. Toutes les photos vont ici dedans. Comme ça, j'ai un petit souvenir. Il y a aussi des poèmes. J'ai des poèmes. Enfin, de la poésie. Il y a un peu, j'ai aussi des extraits de courriers envoyés aux assurances. Les perles d'assurance. C'est fantastique. J'ai trouvé ça sur Internet. Hein, c'est pas, moi, je ne l'ai pas inventé. C'est du vrai. Hein. Si j'ai le temps, après, j'en lis quelques-uns. Et alors, j'ai ici quelques noms de gens qui font partie de l'Assemblée nationale française. Il y a, par exemple, M. Seguin, M. Legros, M. Branlet, M. Carrel, Mme Ségolène Royal, Monsieur Sauté, Monsieur Papu, Monsieur Genet, Madame Madi et Monsieur Jospin. C'est tous des gens qui font partie de l'Assemblée nationale. Quand tu les lis comme ça, tu dis, oui, je les connais tous. Mais si tu les lis à l'envers, c'est Jospin, Madi, Genet, Papu, Sauté, Ségolène Royal, Carrel, Branlet, Legros, Seguin. Ouais. Et c'est vrai, hein? C'est pas vrai qu'elle branlait le gros Seguin, je dis c'est vrai. Les noms sont vrais, hein? Ça, c'est pas une invention belge, hein? Ça, c'est pas... Rien à voir avec la manivelle, hein? Non, il y a beaucoup de choses qui marchent à la manivelle, même encore maintenant, hein? Et, dans les voitures, il y a beaucoup de voitures encore pour baisser et remonter les vitres, c'est avec une manivelle. Maintenant, de plus en plus, c'est avec des boutons électriques. Hein, on pousse, ça descend, ça monte et tout. La mienne aussi, c'est comme ça, la voiture que j'ai, c'est avec des boutons électriques. Même celle que j'avais avant, c'était déjà ça. Mais c'était inversé, c'était juste l'inverse. Maintenant, quand je pousse devant, la vitre, ça baisse. Et avant, quand je poussais devant, la vitre remontait. Mais j'ai eu un stut avec ça, moi. J'ai eu un stut. C'est moi qui conduisais ma voiture. J'étais avec Raoul. Mon beau-frère. T'es un imbécile, celui-là. Hein, ça. Et il m'a demandé d'aller le conduire à la gare de Courtrai. Bon, Raoul, il sait toujours tout mieux que les autres, mais il savait pas où était la gare de Courtrai. Donc, on arrive à Courtrai. Je dis, Raoul, où est cette gare? Je sais pas. Je dis, oui, mais moi non plus, je sais pas où est cette gare. Je dis, demande à l'agent. Il y avait un agent, là, sur le trottoir. Je me gare le long du trottoir. Et alors, Raoul... Il ouvre un peu la vitre, mais un tout petit peu seulement, parce qu'il pleutait. Et il voulait pas trop se mouiller. Donc, il ouvre un petit peu
Et il s'approche comme ça pour demander à l'agent, hein, mais il y a juste son nez qui passe. Oui, mais Raoul, il a un nez. C'est un grand nez hein, qu'il a. Très long comme ça. Quand il prend une douche, il fume, eh ben, elle ne s'éteint pas cette cigarette. L'eau passe comme ça. Hein, mais vraiment grand. Hein. Je suis sûr, s'il n'y avait pas d'os dans son nez, eh ben, son nez pendrait devant sa bouche comme ça. Sûrement. C'est tout long, tout fin. On dirait un couteau. Si tu lances un pain à sa figure, il te revient en tranche. Hein. Donc, il approche son nez. Enfin, sa tête et son nez passent. Hein. Et il demande à l'agent, il dit, pardon, monsieur l'agent, mais est-ce que... Je dis, ouais, mais enfin, comme ça, l'agent, il va jamais entendre ce qu'il dit. Je vais baisser un peu ce carreau. J'en fais pas depuis longtemps, cette voiture, moi. Donc, je me trompe, je pousse, la vitre remonte, et lui, oh là, voilà, là. L'agent, il était mort de rire. Mort, il se cachait comme ça, il se cachait derrière la portière, il montrait la gare. Évidemment, je me dis, oula, je me suis trompé, je vais vite rabaisser la vitre. Mais pendant ce temps, Raoul, il cherche aussi le bouton, lui. Donc moi, j'ai juste le temps de baisser la vitre de 2 mm, lui, il pousse, il se trompe, paf, ça remonte, cette vitre, il repousse, cette vitre qui descend, qui monte, il n'a pas le temps d'enlever son nez, les fusibles sautent. Mais oui, ce fusible, il sait plus par où il doit aller, lui, avec... Il pète les plombs, évidemment. Mais il y a une sécurité. Quand le fusible saute, la vitre, elle fait une dernière chose, elle se referme. Donc, Raoul, il était coincé avec son nez. Le nez, il devenait tout bleu. La jambe devenait tout rouge, lui, hein, tellement il rigolait. Je dis, Raoul, t'inquiète pas. J'allais pas commencer à chipoter à ses fusibles et tout ça. Je dis, je dois trouver un garage. Je dis, t'inquiète pas, Raoul, je vais chercher un garage. Il était d'accord. De toute façon, il a rien dit. Il était avec sa bouche contre ça. Donc, je commence à rouler, moi, dans la ville de Courtrai, que je connais pas. Moi, je connais pas Courtrai. Je dis, je cherche un garage, 10 minutes, un quart d'heure. Mais les gens sur le trottoir, ils avaient du plaisir. Ils rigolaient. Les enfants avec les mamans qui disaient, j'en veux un comme ça aussi. Enfin, on est arrivé au garage. Et alors là, le garagiste, il a tout simplement été dans l'atelier derrière. Il a pris là une petite manivelle. Il a mis cette manivelle dans un petit trou de la portière. Et il a tourné. Et c'était fini, c'était arrangé. Enfin, pas le nez, hein. Non, on a coupé le pain pendant 15 jours nous-mêmes quand même. Hein, parce que... Mais la magie de la manivelle, enfin, la magie de la manivelle. Hein, tout ça, qu'est-ce qui... Beaucoup de choses marchaient à la manivelle avant. Le moulin à café. C'était une caisse en bois. Et on mettait du café au-dessus et on moulait comme ça. Et maintenant, c'est... Et il est moulu. Le passe-vite, le passe-légumes, le presse-purée. C'était avec... maintenant, c'est un mixo. Facile. Pour lever les volets. C'était une manivelle. Maintenant, c'est... Mais les gens, ils étaient beaucoup plus musclés avant. Beaucoup. Maintenant, ils ont juste un gros pouce comme ça, c'est tout. On reconnaissait les gens à ce qu'ils faisaient. Le type qui mettait ce moteur en route 4 ou 5 fois par jour avec la manivelle, monsieur. Il avait un bras comme ça, ce type. Comme ça, une figure à cause du retour de manivelle aussi. Hein, parce... Ça arrivait, hein. Ça arrivait, hein. Le type mettait paf cette manivelle. Qui... Pour les motos, avant la moto. Maintenant, tu as une grosse moto. 1200 cm3. Hein, ça... Et puis tu as un bouton, boum. Et c'est tout. Mais avant, tu avais un kick. Tu mettais ça en route avec le kick. Tu mettais ton pied, puis broum. Alors de temps en temps, tu avais un retour de kick. Et tu prenais ton genou dans ta gueule, mais ça faisait mal, hein, ça. Oh non, c'était autre chose. Hein. On reconnaissait les gens à ce qu'ils faisaient. Moi, je connais un docteur comme ça. Enfin, je connais pas qu'un docteur, hein, j'en connais plusieurs. J'ai encore été en voir un, là, il n'y a pas longtemps, parce que j'avais une petite extinction de voix. J'ai dit, je vais y aller parce que c'est embêtant, ça, pour moi. Donc, je vais... Mais c'était pas pendant les heures de rendez-vous. Donc, j'arrive à la porte, je sonne, et c'est sa femme qui vient m'ouvrir. Et moi, je dis, est-ce que le docteur est là? Elle m'a dit, non, entrez, on a 20 minutes.
Ah, oh, mais j'ai souvent des extinctions de voix maintenant, hein, ça m'arrive. C'est bien, c'est... Bon, enfin, c'est pas de... Je veux pas parler de ce docteur-là. Le docteur dont je veux parler, c'est le docteur Kant. C'était le docteur de mes parents à moi. Et quand il était gosse, lui, il devait chaque fois, avant d'aller à l'école, lever le volet. Mais enfin, il devait le lever comme ça. Il était petit, c'était une grande manivelle. Et quand ce volet arrivait en haut, eh ben, très souvent, cette manivelle, il la lâchait. Paf, ça tapait sur sa tête. Le docteur Kant, il est resté tout petit. Il est resté tout... On l'appelle le médecin Kant entre nous, déjà, comme ça, de temps en temps. Enfin, on... jamais devant lui, hein, jamais devant lui. Mais c'est... 25 ans, ben. Non, ben. On reconnaît les gens. Si on est un peu observateur, on reconnaît les gens à leur morphologie, mais aussi à leur démarche. Hein. Le cow-boy qui marchait comme ça avant, toujours. Parce que, pourquoi? Parce qu'il avait toujours un cheval entre les jambes pendant toute la journée. Tout le temps. Ouais, où est-ce que tu veux qu'il le mette aussi? Ouais. Celui que vous voyez marcher comme ça dans la rue, c'est un funambule. C'est pas toujours une tapette, ça, c'est pas, c'est un funambule. Voilà. Ça, c'est un astronaute en général, tu vois, hein? Et ça, c'est un marin. C'est un marin parce que sur le bateau, il marche tout droit, mais quand il marche comme ça. Williams, mon voisin Williams, il marche comme ça. Il rentre souvent comme ça le soir. Alors, moi, je lui dis, alors, Williams, on a encore fêté quelque chose? Pas du tout, moi j'étais marin pendant 15 ans. C'est vrai. Mais alors moi je lui dis, Williams, moi j'ai été marié pendant 20 ans. Et je marche pas comme ça quand même, hein? C'est vrai. Faut observer les gens. Si vous observez, vous pouvez vite deviner quel est leur métier, par exemple. Ils ont des tics et des habitudes. Hein. Le gynécologue, il a toujours sa montre ici. Hein. Ouais, faut observer. L'examen approfondi, hop. Non. La façon dont les gens parlent, on peut deviner un petit peu ce qu'ils sont. Vous, vous allez dire, je cuis mon steak. Le huissier de justice, il va dire, je saisis votre steak. C'est la différence. Les informaticiens, quand ils parlent entre eux, ces types, ils parlent de bits, de mégabits, de gigabits. Et il n'y a personne pour leur dire de rester un peu poli. Non, bon, ils camouflent, hein, ils camouflent. Ils disent pas bit, ils disent byte. Byte. Moi, j'en connais un, il s'appelle Patrick, il dit I am Patrick. Et pour eux, Monica Lewinsky, elle a fait une byte. Voilà. Hein? Beaucoup moins grave. Beaucoup moins grave. Bon, les bytes, Monique. Les bytes, c'est la mémoire, c'est ce qui fait la mémoire de l'ordinateur. Tu comprends? Donc, les bytes, c'est ce qu'on met dans les chips. Dans les petites puces. Dans les petites puces. Donc, alors, ce qui est très intéressant, et ce qu'on recherche, c'est la plus petite byte possible pour pouvoir en mettre le plus possible dans la petite puce, dans le petit chip. Tu comprends? Donc, plus la byte est petite, plus la mémoire est grande. Tu comprends? Donc, si tu as un type qui ne se souvient pas de ton nom, tu peux te dire que c'est un bon coup. Tu vois? Tu comprends, Chantal? Monique! Non, non, il y en a partout. Hein? On est envahi par les bytes. Il y en a partout. On va bientôt nous implanter des petites puces, des petites partout. Hein. On va observer les gens, on va dire, tiens, quand ils disent, je vais passer un coup de fil, ils font ça. Bon, eh ben, on va implanter une petite puce ici pour faire l'écouteur du téléphone, et on va implanter une petite puce ici pour faire le microphone du téléphone. Comme ça, tu veux appeler quelqu'un, allô. Beaucoup plus pratique que le GSM. Hein. Beaucoup plus pratique. Et on pourra même mettre une petite puce ici, une petite puce, dans l'auriculaire ici,
en plus pour mesurer la température du corps. Oui, hein, maintenant tu n'es plus obligé de mettre ton doigt dans ton... Tu mets tout de suite dans l'oreille et tu as la température du corps. On pourra faire ça, donc le pouce, là, le... Alors l'index, par exemple, l'index, c'est pour montrer. Toi. On va mettre un rayon laser dedans, on va dire « toi, ici ». Beaucoup plus facile. Dans l'annulaire, ici, eh bien, on mettra plus d'alliance, hein. On va mettre une petite puce directement ici. Comme ça, tu dis « oula, je dois rentrer, moi ouais. ». Comme ça, tu rentres à la maison, tu as raison d'appeler ta femme ma puce. Parce que, Donc, surtout, les doigts sont occupés. Le pouce, l'index, l'auriculaire, l'annulaire. On va le laisser. On va le laisser comme ça, juste pour le plaisir. On va le... une calculette, peut-être. Hein? On va mettre pour compter les billets. Il y en a partout. Hein? Il y en a dans l'appareil la photo de Quindy. C'est plein de puces. Dans les agendas électroniques. Les agendas électroniques, là, il y a plein de puces dedans, plein de bytes. Hein. Il y a Wolke, elle m'a offert... Wolke, c'est ma femme. Hein. C'est ma femme, c'est Wolke. Avec un V. Comme velin. Wago. Et Wolke, donc ça vient... J'explique un petit peu. Hein. C'est avec un... Ça vient de Madeleine. C'est facile, ça vient... Ça fait Madeleine Laine, Laine Wol, Wolke. Ça, c'est une petite laine. Voilà. On aurait pu l'appeler Pulke, mais elle s'appelle Wolke. Voilà. Et Wolke, elle m'a fait un cadeau pour mon anniversaire d'il y a 7 années. Enfin, 7 ans, hein, 6 plus 1. J'ai ça tous les ans de toute façon. Donc. Elle m'a offert un agenda électronique comme ça, c'est fantastique. C'est fantastique, ça retient tout. Hein. Ça retient le numéro de téléphone des amis. Ça retient le numéro de téléphone de la famille. Ça retient les rendez-vous professionnels. Ça retient tout. Mais il y a un stud. Il y a une pile là-dedans. Et c'est toute petite pile, hein, comme ça, hein, tout fin. Mais il ne faut pas que cette pile tombe à plat. Si elle tombe à plat, il oublie tout. Tu peux te mettre à genoux devant. C'est broquette que dans Smot sur fond d'azur, il te dit plus rien. Et tu as une minute pour changer cette pile. Pas une minute et une seconde. Une minute. Et lundi passé, cette pile était plate. Je dis, Wolke, on va s'organiser. J'ai été acheter une nouvelle pile. J'ai mis l'agenda sur la table ronde, là, hein, la table basse du salon, j'ai mis l'agenda, j'ai mis la pile à côté. J'ai dit, voilà que tu vas chercher la minuterie là, pour les œufs le matin, hein, tu vas chercher, ça on a acheté, ça c'est très bien. Tu la mets à côté, tu t'assieds à côté de moi. Blacky, le chien, il est tout blanc. Oh, on l'a fait exprès, on l'a fait. Au début, il n'était pas content, mais non, il rigole avec nous de ça. Hein. Il était couché sur le tapis. Et on voyait, hein, qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Et alors Tarasba, le chat, Tarasba, oui, mais c'était Taras Bulba, mais depuis qu'il est castré, c'est Tarasba. Il était sur le buffet et il regardait ce qui se passait comme ça d'en haut. J'ai dit, bon, Wolke, dès que je dis top, tu startes. Tic, 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 tic. Oui, on a acheté ça en occasion promotion parce qu'il n'y avait plus que le tic dedans. Il y a quelqu'un qui avait piqué le tac. Donc, il fallait faire le tac soi-même dans sa tête. Tic, 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 tac, 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 tac. Il y avait déjà 5 secondes de passé. J'ouvre le couvercle avec un petit tournevis. Je le mets à côté. Hein. Tic, 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 tac, 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 tac. J'enlève la pile plate. Voilà que t'es toi. Non, mais elle avait rien dit, mais ça soulage. Hein. J'enlève la pile plate, je la mets à côté, tic, 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 tac, 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 tac. Je prends la pile pleine. Dring ! Le téléphone, non pas le téléphone, le facteur. Il sonne à la porte pour apporter un recommandé. Il y a le chien qui s'effraie, évidemment. Il se lève, wah, 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 avec sa queue sur la table. La pile plate, la pile pleine, l'agenda par terre. Et tic, 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 tac, 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 tac.
Le facteur à la porte, toc, 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 toc. Le chat, il voit la pile qui roule. Hop, il saute pour aller jouer avec la pile. Paf, il met ses deux pattes sur la pile. Dans le pipi, le papa poupouche. Dans la popo, la pipi, la pala. Dans la pala, la porte. Allez, deux. Dans cette pile! Le chat qui s'effraie. Oups, il avale la pile. Ah, je dis, j'espère que c'est la plate. Et tic, 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 tac, 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 le facteur. Il y avait déjà 55 secondes de passé. Et Wolk qui crie. Ça va, j'ai l'autre pile, j'ai l'autre pile. J'ai dit, mais mets-la dedans, mets-la dedans. Tri! Juste à temps, je remets le couvercle, j'ouvre l'agenda, je pousse sur start. Il avait avalé la pile pleine. Broquette, que dalle, snot sur fond d'azur. J'avais plus d'amis. J'avais plus de famille. J'avais plus de travail. Et pour avoir un numéro de téléphone, je devais le demander à mon chat. Enfin, Wolke m'en a offert un nouveau cette année-ci. Tout nouveau modèle. Enfin, il est un peu plus grand. Mais alors, quand tu l'ouvres, en haut, tu as un cadran, enfin, un écran comme ça. Et puis, tu as un clavier. Tu as une petite souris. Tu peux surfer sur Internet et tout ça. Tu peux mettre une disquette là, à droite. Il y a des fax qui sortent à gauche. Ça fait GSM, ça fait tout. Hein. Et alors, il y a même un modèle, ils m'ont dit, hein, lessiveuse séchoir. Mais ça, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Et en dessous, il y a un bloc-notes avec un crayon. Ça, c'est bien. Moi, j'utilise que ça, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est très bien. Très bien. Tu sais diliter, hein? Tu sais, il y a une gomme au bout du crayon. Donc, tu sais diliter même si tu veux. J'utilise que ça. Mais c'est bien. Moi, j'étais content. J'aime bien Wolke. Moi, j'étais content. Je lui ai même fait un petit poème pour la remercier de ça. Je l'ai écrit ici dedans. Je vais vous le lire. Voilà. J'ai écrit un petit poème à Wolke pour la remercier de ce cadeau. Moi, j'aime bien Wolke. J'aime bien. Je suis amoureuse. Attends, ici. Il est ici. C'est Aude à Madeleine. Madeleine, ô Madeleine. Ma douce et belle sirène. Tu es mon oxygène. Et j'espère toujours avoir la veine d'être ton hydrogène. C'est une histoire d'eau. H2O. Il y a des calés en chimie, Monique. Tu connais la chimie un peu? Un petit peu? Attends, j'ai des formules ici. Attends, regarde. H2O. Ça, tout le monde sait, c'est de l'eau. H2SO4. Acide sulfurique. C'est bien. Attends. Ici, ça, c'est plus compliqué. KMNO4. Permanganate de potassium. Oh, bien. CHOCO. CHOCO. Ça, c'est du choco. Je m'en souviens plus. Ça va avec Nutella aussi, mais c'est plus long. Hein? Bon, attends. Alors ici, attends. Attends, j'ai encore, hein? J'ai pas que pour... Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui s'appelle Myriam ou Mireille ou... Il y a une Mimi? Oui? Attends. Alors, Oda Mimi. Mimi, oh ma Mimi. Depuis que tu es partie, je suis toujours ici. Me rappelant cette nuit, la plage, le bain de minuit, tout nu et sans souci. Mais écoute-moi bien, Mimi, c'est la dernière fois que je te le dis, rapporte mes habits. Il y a une Élise, une Élise ou une Marie-Lise, ou... Oda Élise. Élise, oh Élise. Ta bouche a mangé des cerises. Tes yeux a troublé un jean fizz. Tes seins a damné une église.
Élise, 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 je le sens, vite! Passe-moi mes Smarties. Nana, oh nanana. Nana, oh ma nana, je sais que tu ne m'aimes pas, je sais que tu ne veux pas de moi, eh bien moi non plus, nana, na. De Martine? Oh, da Titine. Titine. Oh, ma Titine. Quand tu me fais mes tartines, pour partir à l'usine, pourquoi, bonté divine, mets-tu de la margarine sans ôter, ma Titine, l'emballage d'origine? Lulu. Quoi, Lucien? Non. Attends. Non, pas Lucien. Non, attends, pas Lucien, attends. Lulu, oh Lulu, te souviens-tu du beau barbu? Te souviens-tu du peu chevelu? Tu l'as aimé de tout ton être? Tu l'as voulu? Ah, vous l'avez lu. Je me dis que peut-être... C'était pas moi, mais ça aurait pu. Oh, da Loulou! Loulou, oh toi, Loulou, toi qui aimes les petits bouts. Les petits bouts tout mous. Et quand ta faim de loup se voit dans tes yeux fous, je sais que d'un seul coup, tu me feras... Miaou! Miaou! Le chat, il fait ça. Tarasba, le chat à la maison, il fait, quand il a faim comme ça, alors il se frotte, il fait miaou, miaou. Tu n'as pas des animaux à la maison, Monique? Oui. Qu'est-ce que tu as à la maison? Un chien, peut-être? Qu'est-ce que tu as comme chien? Hein? Un balamout? Un malamout? C'est quoi, c'est un revêtement de sol, ça, ou quoi? Non, un malamout? Ça, c'est... Ah, ça. Et des chats aussi? Ah oui, il en mange combien, par jour, comme ça? Comment il s'appelle? Il y a 8 chats. Non, ça on va peut-être. Mais le chien, comment? Booba. Booba la malamout. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? Tu as aussi un chien à la maison? Qu'est-ce que c'est? Un teckel. C'est bien pour les courants d'air en hiver. Hein? On peut mettre, hein? Non, c'est sympathique. Hein? Comment il s'appelle le teckel? Comment? Tétina. Tequila. Tu as déjà essayé un peu de sel et de citron avec le vin. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore un chien ici? Non? Hein? Pas de chien? Non? Pas de chien à la maison? Si? Qu'est-ce que c'est comme chien? Un Yorkshire. Un Yorkshire, oui. Tu n'as pas un chien aussi? Non, non. Non, comment il s'appelle le petit Yorkshire? Choupette! C'est bien, ça, c'est quoi? Mâle? T'es une femelle, choupette, oui. Oui, pour, oui. Non, c'est mieux, ça va mieux pour... Non, pour un mâle, on change une lettre. Et alors... Non, cherche pas, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a encore un chien à la maison, là? Non? Pas de chien? Pas de chien à la maison? Pas de chat? Non? Pas de bête? Tu as bien regardé, tu es sûr? Qu'est-ce qu'il y a comme... Un chat à la maison, oui, c'est ça? C'est quoi comme chat, comme race? Un chat de corniche? Oui. Non, de gouttière, oui. Il s'en fout, le chat, que c'est une corniche ou une gouttière, hein, lui, bon. Comment il s'appelle? Comment? Rama. C'est spécial, hein, ça, Il est content de son nom? Il vient quand tu l'appelles et tout? C'est pas un chat, ça, hein? C'est pas... Tu es sûr que c'est un chat? Un chat, il vient jamais, hein? Allez, qu'est-ce qu'il y a encore des animaux? C'est, hein? Quoi? C'est quoi? Un chat de? Rama del Goutier. Attends, là, tu vas m'expliquer après, hein? Ben, attends. Rama del Goutier. Je vais la noter, hein? Ça doit être bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, c'est quoi comme chien? Un labri. Mélanger un griffon et... un labri. C'est pas l'abri, non, labri. Labri.
ça je connais pas. C'est un berger des Pyrénées, enfin de loin quand même. Et il s'est mélangé avec le griffon. Saligo. On appelle ça un croisé, je crois. Hein? C'est ça, un croisé. Ça s'appelle un croisé. Quand c'est deux chiens qui se croisent. Hop, un autre chien qui arrive. Et s'ils se recroisent, c'est un corneau. Oui, c'est comme ça, c'est quand c'est... Blacky, c'est ça. Moi, mon chien, c'est ça. C'est un croisé, enfin, un signe que bâtard, enfin, c'est... Mais c'est de très bons chiens, c'est de très bons chiens. Blacky, c'est un très bon chien. C'est un chien de garde comme ça, hein. Il dort avec nous autres, hein. Il dort, enfin, au pied du lit, dans la chambre. Eh bien, s'il y a un petit bruit la maison, dans la maison la nuit, tout de suite, hop, je le réveille et l'aboie. C'est de très bons chiens pour le garder. On aime bien aussi les animaux à la maison, hein. On a le chat, on a Blacky, on a Tarasba, on aime bien. Moi, j'ai toujours bien aimé les animaux. Même avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais étudiant à Torhout, là-bas, hein, près d'Anvers. Hein. Torhout, c'est là qu'il y a TV Thor. Ah, c'est pour dire. Et pendant les vacances, il y avait des jobs étudiants. Et j'ai lu dans le journal qu'on demandait un étudiant au zoo d'Anvers. Et moi, je vais y aller, hein. C'est un bon job, hein, ça, c'est pas loin de chez moi. Donc, je vais là-bas et le directeur me reçoit, il me dit, voilà, de quoi il s'agit. Le gorille, il est mort. Et on ne sait pas pour le moment acheter un nouveau gorille, bon. Alors, on cherche un étudiant qui va se mettre dans la peau du gorille pour faire le gorille dans la fosse au gorille. Oh, je dis, moi, c'est un job comme un autre, un job, c'est un job. Je dis, ça va, c'est bien. Donc, il me donne la peau du gorille. Moi, je me mets dans cette peau. Il fait chaud là-dedans. Moi, je me demande comment ils tiennent toute une vie là-dedans. Ah, et je vais dans la fosse au gorille. Et là, je fais le singe. Et les gens, les touristes et tout, qui viennent, hein, ils viennent regarder. Et je vois que ça les intéresse, que ça les amuse et tout. Je dis, allez, je fais un petit cumulé en avant, je fais un petit cumulé en arrière, je parle un peu. Et ils y croyaient, et ils applaudissaient. Je fais un saut périlleux arrière, t'applaudissements. Je dis, maintenant, je vais les épater, je prends un élan, je fais un saut périlleux, double saut périlleux en avant, et alors je trouve que ça met un peu de temps pour me rattraper. Et en une fois, boum, je retombe. Je dis, mais où est-ce que je suis? Je dis, tiens, la fosse au gorille, elle est plus haut maintenant. Et puis, je suis dans la fosse au lion. Et il y a le lion un petit peu plus loin. Il se lève. Je faisais moins l'imbécile. Hein? Les gens en haut qui continuaient à applaudir me disaient Le lion, il arrive, hein, sur ses quatre pattes. Bon, il n'a que ça. Okay. Avec sa crinière, en arrière, comme ça, c'est quand il est fâché, ça. Alors il approche comme ça. Je fais semblant que je ne l'ai pas vu, mais ça ne sert à rien. Lui, il m'a vu. Je me compte, mais j'étais contre le mur. Il était à 2 mètres de moi. Il est à 1 mètre. Oh, au secours! Oh, au secours! Il est à 50 centimètres. Help! Help! Et puis je vois sa gueule qui s'ouvre. Et là, il y a un type qui me dit, ta gueule, on se fait tous virer ici. Il est quelle heure, Monique? Il est quelle heure, à peu près? Oh, ça va, on a un petit peu de temps. Parce que je vous ai dit, j'ai aussi ici dans mon livre, j'ai noté des extraits de courriers que des gens ont envoyés aux assurances et aussi à la mutuelle, à la caisse de sécurité sociale. Alors, ça vient d'Internet, hein, si vous voulez aller voir, c'est sur... rigole.com ou quelque chose comme ça. Enfin, ouais, c'est là-dessus, tu regardes. Alors voilà, ici, il y en a quelques extraits. Hein. C'est par exemple, ici, il y a quelqu'un qui écrit à l'assurance et qui dit « Pourquoi dites-vous que c'est moi qui suis en faute puisque l'autre ne savait pas conduire non plus ?» Alors ici, celle-ci, ça, c'est il prend souvent l'apéritif, à mon avis, il prend des précautions, il dit « Dans mon contrat, j'ai lu que vous ne remboursez pas les frais de réparation de ma voiture si j'ai un accident en état d'ivresse. Je suis prêt à payer ce qu'il faudra pour que vous supprimiez ce paragraphe. »
Et c'est ça, c'est une petite précision. Des fois que l'assureur ne se serait pas aperçu de la chose, il dit « Je vous fais remarquer que ce croisement est très dangereux, car il y a deux routes qui se coupent juste à cet endroit-là. » Et c'est ça, ça doit être un couple un peu orageux. « Vous me faites savoir dans votre courrier que le vol entre époux n'existe pas. On voit que vous ne connaissez pas ma femme. » C'est ça, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui écrit, mais pas piqué des verres. Hein, « J'apprends dans votre lettre que Mademoiselle X réclame des dommages et intérêts sous prétexte qu'elle a été légèrement défigurée après l'accident. Sans être mauvaise langue, il faut bien avouer que même avant l'accident, cette malheureuse n'avait jamais éveillé la jalousie de ses concitoyennes. » C'est véridique, hein, c'est pas... Alors ici, ça, il demande conseil à l'assureur. Hein, que, quoi de plus normal, il dit « À votre avis, est-il préférable que j'achète un chien méchant qui risquera de mordre les gens, mais qui protégera ma maison contre les voleurs? Ou alors est-ce que je garde mon vieux toutou? Je vous pose la question, parce que de toute façon, c'est vous qui paierez les pots cassés, soit en indemnisant les blessés, soit en remboursant les objets volés. J'ai signé le constat, mais ça compte pas, j'avais pas mes lunettes et j'ai rien vu de ce qui était dedans. » Alors celle-ci, elle est pathétique, c'est pathétique. C'est... « Je n'ai guère eu le temps de voir le piéton car il a immédiatement disparu sous la voiture. » Épouvantable. Ici, il explique les circonstances de l'accident. « Je suis passé au travers de la porte vitrée lors de la journée porte ouverte de l'entreprise. J'ai enfoncé une femme par derrière et moi j'ai perdu tout l'avant. » Et ici, c'est un gars, il s'est recyclé, un taximan, il s'est recyclé. Alors, comme je vous l'ai écrit, j'ai transformé mon taxi en corbillard, je ne transporte plus que des morts. Faut-il que je continue à payer une prime pour le cas où il serait victime d'un accident, vu qu'il ne risque plus rien? La dernière ici aux assurances. Depuis mon accident, je ne peux plus me déplacer. Veuillez m'indiquer la marche à suivre. Et alors, celles qui suivent, ça, c'est du courrier qui a été envoyé à la mutuelle, hein, dans la caisse de sécurité sociale. Mon mari est mort depuis 2 mois. Comment dois-je faire pour le sortir de la caisse? Une autre. On a coupé les bourses à mon fils et il ne va plus en classe. Celle-ci, ça c'est judicieux. Comme mon mari doit partir chez les fous, je l'envoie à votre bureau. Voilà, il y a 5 mois que je suis enceinte et je n'ai pourtant rien touché. C'est ça, c'est... tempérament, c'est... Suite au passage de votre contrôleur, veuillez m'envoyer un carnet de maternité. La parenté, oui. Hein? Je nourris mon enfant au sein sans arriver à joindre les deux bouts. La petite dernière, ici. Ça fait 15 jours que je suis au lit avec le docteur Martin et je voudrais en changer parce qu'il ne m'a encore rien fait. Enfin, vous voyez que c'est bien, l'ordinateur. C'est bien. Ben, j'ai acheté un ordinateur. Ben, j'ai acheté ça, comme tout le monde, hein, mais ça a mis du temps. Hein, pour 6 semaines, hein, avec des livres, avec... J'avais une image fixe. Ça bougeait même pas. Rien, après... J'ai trouvé le moyen de taper sur le clavier, les lettres se mettaient sur les... Donc je faisais des phrases, mais comme je fais beaucoup de fautes, je devais chaque fois nettoyer tout le Tippex que je mettais sur ça. Après, on m'a dit, il y a une touche Tippex. Il suffit de taper dessus. Ah, ouais. C'est les jeunes, hein, moi j'ai un petit neveu, il a 10 ans. Ils sont doués, hein, pour ça.
C'est extraordinaire. Un jour, il arrive à la maison, parce qu'on fait des travaux un petit peu à la maison, des transformations et tout ça. Et moi, j'ai fait des plans, hein. Moi, j'ai fait des plans sur du papier avec une latte, un crayon, une gomme, enfin, comme depuis des mois, j'ai travaillé là-dessus. Et il vient à la maison un jour et il a un CD avec lui. Je dis, tiens, il a acheté le dernier nouveau CD de Spice Girl, là. Ou les Spice, oui, il faut camoufler. Spice Girls, tu vois. Et je dis, tiens, il a acheté. Et il me dit, tonton, je peux mettre ça sur ton ordinateur? Qu'est-ce qu'il pense, celui-là? Je dis, tu ne dois pas toucher à ça, c'est pas pour les petits. Où est-ce que tu veux? Tu peux le déposer dessus si tu veux, mais tu, qu'est-ce que tu veux? Non, je voudrais mettre ça dans ton ordinateur. Allez, qu'est-ce qu'il raconte? Allez. Et puis il pousse sur un bouton. Je dis, je savais même pas qu'il y avait des tiroirs là-dedans. Et moi qui savais pas où mettre mon gobelet, eh ben ça c'était quand même. Hein? Il met son CD là-dedans, il repousse sur le bouton. Et puis 5 secondes, paf, un plan sur l'écran, un plan avec toute la maison. Et puis il me dit, tu veux où la porte là? Tu la veux ici, tu la veux là, tu la veux... Cette porte qui allait de tous les côtés. Je dis, mais il ouvrait les fenêtres, il les refermait. Tout ça, moi, des mois, sur papier avec un crayon. Hein. Allez, j'avais une cheminée à refaire, là. Parce que... Il y a Wolke qui me demande pour mettre du chauffage. Hein, je devais refaire la cheminée. Eh bien, c'est lui qui a fait les plans et c'est moi qui travaille. Oui, elle me dit, Wolke, elle dit... On doit mettre du chauffage dans la pièce de derrière parce que ce serait mieux quand on invite les amis, la famille. C'est vrai qu'à Noël, on a invité la famille. Eh bien, on s'est chauffé à la bougie, c'est cher. Non, c'est beau, hein, mais c'est cher. J'ai dit, voilà que tu as raison, je vais mettre du chauffage dans la pièce de derrière. Elle dit, mais non, mais attends, tu ne dois pas faire ça toi-même, tu demandes ça à Gilles, le chauffagiste. J'ai dit, voilà que laisse-moi faire. Ça sera moins cher. Je dis, mais si je mets du chauffage, je dois remplacer la cheminée, parce que la cheminée, elle est vieille, elle est toute cassée, elle sort du toit complètement de travers, comme ça. Mais c'est vrai que tout le monde passe par là aussi. Le Père Noël passe par là. Saint-Nicolas passe par là. Tout le monde passe par là. J'ai une blague comme ça sur Saint-Nicolas, qui passe par là. Il n'y a pas d'être trop jeune, non. Donc, bon, c'est Saint-Nicolas qui passe par la cheminée, hein, avec sa hotte et ses jouets, tout ça. Et alors, il dépose les jouets dans le salon, là. Hein, il met des petites poupées, il met des petites voitures. Et puis, en une fois, il voit dans le divan du salon, il y a la fille de la maison, là, 25 ans. Elle est rentrée trop tard et elle dort dans le divan. Toute allongée dans le divan, et toute nue. Il y a Saint-Nicolas qui voit ça, il dit, non, ça, je me rappelais pas que c'était si beau. Ouais, il est vieux, hein. Saint-Nicolas, il a 825 ans. Sa vie sexuelle s'est arrêtée à 75 ans. Donc, il y a 750 ans que Broquette, que dans notre sur fond d'azur. Il les a quand même un peu ici, quand même. C'est pour ça qu'il porte la barbe, d'ailleurs. Hein. Tu vois pas ça, hein, mais c'est... Donc, il dit... Ça lui fait remonter des idées dans sa tête, évidemment. Hein. Oui, mais il dit, non, je suis Saint-Nicolas. Moi, je peux pas. Je suis le grand Saint-Nicolas. Ça n'est pas pour moi, rien du tout. Il continue à mettre des jouets. Il met un peu de fruits, deux oranges, une banane. C'est quand même très tentant. C'est très tentant, je peux pas, je sais. Mais je n'ai que 2 solutions. Ou je le fais, ou je le fais pas. Mais si je le fais pas, je sais pas comment je vais remonter par la cheminée. Comprends, Monique? Il y avait une grosse crosse, tu vois. C'était dans le mauvais sens. Il voulait la mitre. Bon, donc, je dis, voilà que... Je vais réparer cette cheminée. Elle dit, écoute, tu ne vas pas faire ça toi-même, tu vas demander ça à Claudie. Le maçon, c'est un spécialiste cheministe. Je dis, voilà que
Laisse-moi faire, ça sera moins cher. J'ai commencé à préparer toutes les briques à tous les étages. Voilà que m'a préparé 5 seaux de mortier, avec le sable, avec le ciment, avec l'eau. Tout ça était prêt. Tout, 3 jours avant, c'était prêt. C'était trop tôt, je sais. Je sais, mais moi j'aime bien Wolleke. Donc je me suis pas fâché, j'ai dit Wolleke, c'est pas grave, tu as eu raison, comme ça on sait que le mortier il prend bien. J'ai été racheter du ciment au cimentier, j'ai été racheter du sable au sablier, oui, et de l'eau au robinet, puisque ça on en avait. Et aussi une nouvelle truelle, hein, parce que Wolleke, elle avait mis la truelle dans le mortier pour être sûr de ne pas la perdre. Celle-là, on la perd plus jamais, celle-là. Donc, j'ai racheté une nouvelle truelle au trutelier, là-bas. À midi, je commence à casser la vieille cheminée. Midi et 5 secondes, elle était en bas au rez-de-chaussée sur un tas. Ça a été vite. Un seul coup de marteau en bas, tout est venu avec. Hein. À travers le plancher du grenier, à travers le plancher de la salle de bain, à travers la baignoire. Eh bien, attends. L'eau de la baignoire s'écoulait plus très très bien. Eh bien, ça va beaucoup mieux. Ça va, on doit juste trouver un bouchon qui a la bonne taille, mais sinon, ça va beaucoup mieux. À travers le plancher de la chambre, je dis, Wolleke, t'inquiète pas, je vais tout réparer. Les planchers, la baignoire. Elle dit, mais non, hein, pour le plancher, tu vas demander ça à Mich, le plancheur. Et pour la baignoire, tu demandes à Tich, le baigneur, ben oui. J'ai dit, Wolleke, laisse-moi faire, ça sera moins cher. Si j'avais pas dû monter sur le toit pour aller mettre une bâche sous le trou de la cheminée qui n'y était plus, les tuiles étaient mouillées, j'ai glissé sur les tuiles, j'ai cassé ma gueule dans la corniche et j'ai cassé la corniche. Ah non, hein, qu'elle dit, Wolleke, la corniche, ça tu vas pas refaire toi-même, hein, ça tu demandes à Raymond, le cornichon. J'ai dit, Wolleke, laisse-moi faire, ça sera moins cher. Eh bien, elle est réparée. La cheminée, tout à fait nouveau, d'en bas jusqu'en haut. C'est foutu de moi, hein, mon neveu. Hein. Il m'a dit qu'il ne fallait pas de cheminée pour du chauffage électrique. Ah, m'énerve. Hein. Mais ils sont doués, hein, ils sont doués. Hein. Ils sont doués. Mais le sport, les jeunes, comme ça, on est allé au ski. En fait, on a eu un cadeau de mon patron de chez TV Tor. Parce qu'il était content, parce qu'on avait fait un score d'audience, on avait fait 330 voyeurs, télévoyeurs. Oui, mais c'est beaucoup. Hein. Ça fait 25% de part de marché là-bas à Torhout. Il y a le marché qu'une fois par mois, ça c'est vrai. Mais c'est, donc ça fait beaucoup. Donc il était content et il a fait un cadeau à tout le personnel de TV Tor, un voyage en avion pour aller faire du ski en Suisse. Tout le personnel, on n'est que deux. Ouais, il n'y a que lui et moi, hein. Mais j'étais content, j'ai dit à Wolleke, regarde, on va aller en Suisse, on va aller en avion, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Beaucoup plus vite hein, que ça va aller. Hein. Et on l'a emmené, le neveu, on l'a emmené là-bas. Hein. 10 secondes, il était sur les skis et glissait. Moi, 3 secondes, et glissait qu'une fois. Mais bien. Enfin, Wolleke était contente aussi, hein, parce que j'ai dit, écoute, on va aller en Suisse en avion, ça va beaucoup plus vite qu'en voiture, ça va beaucoup plus vite qu'en train. C'est vrai, parce que le pilote de l'avion, il l'a dit, hein, à tout le monde, il l'a dit. Hein. Mesdames, messieurs, il a dit, on va pour le moment à 800 km à l'heure, à peu près. Il savait même pas juste combien il faisait. Oui, mais ça va que jusque 280, 300, les compteurs, il le savait pas. Et, mais il y a une hôtesse hein, qui arrive dans l'avion, là. Enfin, qui arrive, elle était déjà dans l'avion, évidemment. Mais je l'ai appelée, hein. J'ai dit, mademoiselle, venez une fois ici. J'ai dit, écoutez-moi bien. 800 km à l'heure, c'est pas un peu exagéré, ça, c'est les vacances, on n'est pas pressé. Hein. Si on se fait flasher, j'étais pas au volant, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, enfin, Wolleke était contente, elle n'avait jamais pris l'avion, moi non plus. Elle n'avait jamais été en Suisse, moi non plus. Elle n'avait jamais fait du ski. Moi bien. Hein. Oui, moi j'avais déjà appris pour le... Le sache-neige. Je sais faire que ça, mais je le fais très bien. On est arrivé en Suisse, beau pays, l'hôtel, un palace. Ah, il s'est pas foutu de nous, le patron. Hein. 3 piscines il y avait dans l'hôtel. Une avec de l'eau froide, une avec de l'eau chaude, et une avec pas d'eau pour ceux qui savent pas nager.
Il avait pensé à tout le monde. Hein. C'était très bien. La chambre, un petit bijou. Il y a Wolke qui déballe les valises et tout. Et je dis, Wolke, tu touches à rien du tout. On perd pas une seconde, on va aller faire du ski tout de suite. J'ai été loué des bonnes bottines comme ça, hein, pour le ski. Ça, c'est fantastique comme chaussure. Hein. C'est pas classique, hein. Tu en parles des lacets, des crolls et tout ça. Tu ouvres ça, tu mets tes pieds là-dedans, tu refermes, paf! Et là, il ne peut plus rien t'arriver. Tu es juste, quand tu vas faire tes courses, tu es un peu trop bas pour ton caddie. Mais sinon, c'est fantastique, hein, fantastique. Et alors, j'ai pris deux paires de skis qui étaient perdues, plantées bêtement dans la neige, là. C'était perdu, hein? Non, non, je suis sûr que c'était perdu, hein, monsieur et une madame qui cherchaient après. Donc, c'est que c'était perdu. Sinon, j'aurais pas pris ça, hein. Donc, j'ai mis les skis, et alors, on est monté avec le pouscu. Le tire-fesse, le tire-fesse. Ça va dans le même sens. Le tire-fesse, c'est un truc... C'est une barre, comme ça, hein, qui vient d'en haut, hein, comme ça, et qui descend. Et au bout, cette barre, elle est un peu pliée, comme ça, tu vois. Et alors, au bout du bout qui est plié, là, il y a une grande rondelle. Eh bien, la grande rondelle qui est là, tu mets ça sur ta petite rondelle et tu montes tout seul. Il y a une technique, il y a une technique, hein. Tu te mets comme ça. Comme ça. Il vient de là-bas. Hein. Tu te mets comme ça. Tu fais semblant que tu ne l'as pas vu. Tu parles avec quelqu'un à côté de toi et c'est comme ça. Et alors, dès qu'il est là, hein, à la bonne hauteur, hein, hop, tu le prends, il s'effraie, il te monte jusqu'en haut. Quand, s'il y en a un qui passe, tu t'en fous, il y a un autre qui arrive. Tu dois faire attention qu'il n'y a pas déjà quelqu'un dessus, évidemment. Hein, c'est toi. Et alors, ça monte comme ça, ça va jusqu'en haut, puis ça redescend, hein, puis ça remonte, ça redescend, ça, on a fait trois fois quand même. Hein. Trois fois. On n'a pas eu le pompon, la floche, mais on a fait beaucoup de connaissances. On a fait beaucoup de connaissances. Chaque fois qu'on redescendait, c'était des autres gens là-bas. Yeah, oh, comme ça. Toute la Suisse nous connaissait là déjà. Toute la Suisse nous connaissait. Bon, et alors, finalement, donc, on arrive en haut, hein, et alors, on était donc en haut de la montagne, hein. Parce qu'ils se foutaient un peu de nous. Mais c'est vrai que qu'est-ce que tu veux, c'est pas comme dans l'autobus. Dans l'autobus, tu as une sonnette. Tu dis, je descends à la prochaine. Mais là, il n'y a pas. Hein. Nous, on cherchait une sonnette pendant qu'on... Tous les gens en face nous faisaient, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est heureusement que le type, le machiniste là en bas, il a compris, c'est pas un imbécile. Quand on était en haut, il a arrêté la machine, on a pu descendre. Donc, hein, voilà, okay. Et donc, on était en haut. Avec la pente qui descendait vers en bas. Ça, c'est partout comme ça. Hein. Et alors là, je dis à Wolke, maintenant, regarde bien. Regarde comment il faut faire pour faire le sache-neige. Regarde. Viens à côté de moi ici, mets-toi ici. Voilà, regarde. Regarde. Pour faire le sache-neige, tu dois bien mettre tes skis comme ça. Paf! Et je lui donne un stut et elle était partie déjà. Oh, je dis, Wolke, pardon! Pardon! Fais le sache-neige! Fais le sache-neige! Alors elle a fait le sache-neige. Oui, mais elle allait de plus en plus vite, de plus en plus vite, hein! Elle devenait toute petite, toute petite, toute petite, comme ça! Elle disparaît dans les sapins en bas! Bon, c'était des petits sapins aussi, mais quand même, hein! Je dis, je dois aller la chercher! Allez, vite! Ça va pas vite avec le sache-neige, ça va pas très vite, hein, ça. Moi, je poussais comme un fou. Je faisais des tas de neige devant moi, comme ça. J'allais un mètre sur le côté, je recommençais, je refaisais un petit tas de neige, comme ça. J'ai fait ça 12, 15 fois. Hein. Mais de loin, tu voyais par où j'étais passé. C'était tout des petits tas de neige, comme ça. Puis j'arrive en bas dans les sapins, et là, je crie, « Wolke, 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 Wolke. » Toute la Suisse qui criait avec moi. Ah, ils sont solidaires, hein? Tu les vois pas, mais tu les entends, hein? Et alors, je vois une petite cabane. Ben, je dis, voilà, elle est dans la cabane. Elle est allée dans la cabane pour téléphoner, pour dire où elle est. Hein? Attends, mais c'est peut-être pas elle qui est là-dedans. Donc, j'ouvre doucement la porte. Là, je vois un monsieur, madame, tout... qui devait avoir un peu froid. Mais il s'est chauffé. Il faisait comme du ski, mais sans les skis.
Et la madame, elle trouvait ça très bien. Elle le disait très fort. Elle disait, c'est bien, elle disait. C'est beau. C'est exquis. C'est exquis. Là, j'ai intervenu. J'ai dit, madame, c'est pas ski. J'avais vu que c'était pas ski. Le ski, c'était dehors, allez. Je l'avais vu, là. Ben, il était vexé, hein, le type, là. Il criait, hein, sans voyeur. Oui, regarde tes vêtements, sans doute. Hein. Oh, je suis foutu le camp. Et puis, il a commencé à faire noir. J'ai dit, maintenant, il fait noir et moi, j'ai pas retrouvé mon nom. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller au bureau de police. Je vais aller déclarer la disparition au bureau de police. Oui, mais il parle pas français. Partout là-bas, en Suisse, il parle français, il parle italien, allemand, il parle romanche, il parle avalanche. Et là, c'était allemand. Ah, j'ai dit allemand. Meine Herren Polizei. J'ai vu ça dans Derek. Es ist meine Frau. Quelle est Scampevoy? Mit der Sachneige. Ils m'ont pas cru, ils m'ont demandé de répéter, d'expliquer, ils ont beaucoup rigolé, mais ils m'ont pas cru. Et moi, j'ai pas retrouvé mon loquet. C'est elle qui m'a retrouvé le lendemain au bureau de police. Mais quand on les voit skier, ces gens, tu vois ça, tu dis, c'est facile. C'est, mais tous les sportifs, quand tu vois jouer un sport comme ça, c'est facile. Il y a Williams, mon voisin, il me demande d'aller jouer une partie de tennis avec lui. William. Enfin, on l'appelle Williams, c'est pas Williams, hein. On l'appelle Williams à cause de la poire qu'il y a dans la bouteille. C'est pour ça qu'on l'appelle. Parce que la différence entre la poire et Williams, c'est que la poire est dans la bouteille et l'alcool est dans Williams, tu vois? C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Tu sais, il y a une poire, hein, Monique, dans la bouteille. Mais comment ils font? Ça, je me suis déjà posé la question. Maintenant, je suis content de te voir. Comment ils font pour mettre une poire comme ça dans une bouteille qui a un petit goulot comme ça? Comment ils font ça? Tu sais répondre à ça, Sylvie? Non? Quelqu'un sait ça ici? Oui, c'est comment? Voilà, on met la bouteille dans l'arbre et la poire saute dedans. Non, mais c'est ça, on met la bouteille dans l'arbre et la poire grandit dedans. Mais il ne faut pas être en dessous de l'arbre quand la bouteille est mûre, parce que ça fait mal. Hein, Mais c'est comme ça, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai essayé chez moi à la maison et ça marche très bien. C'est un cerisier, mais ça marche très bien. Mais Williams, il a un leitmotiv, c'est tant qu'il y a du vin, il n'y a pas de faim, tant qu'il y a de la poire, il y a de l'espoir. Ça, c'est Williams. J'ai 45 ans, mais j'aurais pu en avoir 48. C'est parce que j'étais malade pendant 3 ans. J'étais malade parce que j'ai perdu ma femme au poker. Maintenant, je ne joue plus au poker. Hein. Les fois que je la regagnerai. Ça, c'est William, ça. Je suis un voyageur, qui dit. Je suis un voyageur. J'ai voyagé en France, en Hollande, au Luxembourg, en Hollande, j'ai fait toute la région du Bols. Au Luxembourg, j'ai fait toute la région du Quetsch. Madame était dans l'autocar, là, d'ailleurs. Hein? J'ai fait toute la région en France, toute la région en France. Hein? Et alors, Monaco, j'ai des amis là-bas, qui dit. Ils m'ont encore invité dernièrement à aller faire un tour en mer sur leur yacht. Alors j'ai dit, d'accord, mais c'est moi qui paye l'essence. Je ne suis pas un pique-assiette, moi.
6 000 litres qu'il y a là-dedans. Mais c'est des amis, hein. Ils m'ont avancé l'argent pour reprendre le train de Bruxelles. Alors il explique à la gare de Monaco, je les ai bien eus. J'ai dit, donnez-moi un billet aller-retour, Monaco, Bruxelles, Monaco. Et ils me l'ont vendu, hein, con. Et moi, je suis jamais retourné. Tant qu'il y a du vin, il n'y a pas de faim. Tant qu'il y a de la poire, il y a de l'espoir. C'est mon pote qui disait ça. Il est mort. Il est mort noyé dans une cuve à la distillerie. Il est tombé dedans. Puis il est remonté 3 fois pour demander des cacahuètes. Et ensuite, il a sombré dans l'alcool. On l'a plus jamais retrouvé. C'est devenu un alcoolique anonyme. Alors, pendant 2 ans après sa mort, j'ai bu 2 poires à la fois. Une pour lui, une pour moi. Mais maintenant, j'en bois plus qu'une, parce que moi, je ne peux plus boire du docteur. Alors il dit, je suis un inventeur, moi. Et ça, ma femme, elle s'en veut bien que je suis un inventeur. Parce que chaque fois que je rentrais à la maison, elle me disait, alors, qu'est-ce que tu vas encore inventer? Il a inventé une canne à pêche révolutionnaire. Hein. Il a dit, je l'ai testé moi-même l'hiver dernier. J'ai fait un trou dans la glace. J'ai gardé le glaçon pour la poire. Puis j'ai trempé ma ligne du premier coup dans le trou. Et dans les 3 secondes qui ont suivi, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un coup de boule du directeur de la patinoire. Ça, c'est Williams. Et alors, il me demande d'aller faire une partie de tennis avec lui. Je dis, peut-être qu'il a des moments où il est sobre. Je vais me méfier, parce que moi, le tennis, je savais que ça existait, mais je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Je me dis, je vais quand même un petit peu me renseigner. Parce que si j'arrive sur ce terrain-là avec un cheval ou un VTT, je vais avoir l'air con quand même. Hein? Donc, je vais me renseigner. Et j'achète un petit livre. C'est un tennis sans dit leçon. J'ai trouvé ça dans une brocante, 20 francs. J'ai négocié, je l'ai eu à 25. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Et dans ce livre, c'est bien expliqué. On explique que le tennis, ça se joue avec une balle et une raquette. Donc, j'achète une balle et une raquette. La balle, c'est facile. Tu la prends dans tous les sens, tu l'as bien en main. La raquette, j'ai mis sur la table, j'ai dit, attends, on va essayer. Hop, je crois que je l'avais du bon bout, j'avais le manche. J'avais le manche dans la main, donc c'est comme ça. Hein. Raquette, tu as le manche, tu as un petit bout, et alors là, tu as le tamis, enfin, c'est le tamis qu'on appelle ça. Au début, les raquettes, hein, c'était fait, pas comme maintenant, hein, maintenant, c'est fait avec. Des trucs, c'était du bois avant. C'était tout en bois. Complètement en bois. Et les cordages étaient faits avec, pas en nylon et tout ça, ça n'existait pas. C'était fait avec des boyaux de chat. Chaque fois que tu frappais, ça faisait miaou! C'était fait avec des boyaux de chat. Mais c'est pas pour ça que quand il y a un chat qui passait, tu voyais déjà ce noir tout donné dessus, évidemment. Hein, bon, mais c'était fait complètement en boyau. Même que tout à fait au début, il n'y avait même pas de boyau. C'était du bois. Il y avait un cadre. Tu devais viser le cadre pour renvoyer ta balle. C'est après qu'il y a un type qui s'est dit, mais c'est bête ce trou. Cette balle a une méchante tendance à passer là-dedans. Hein. Donc ce type, il s'est dit, je vais remplir le trou. Et il a mis des cordages dedans. Ce qui était beaucoup plus facile pour le coup droit. Paf! Et alors, il y a un autre qui a vu ça. Il a réfléchi un petit peu plus loin. Il s'est dit, je vais faire la même chose pour le revers. Comme ça, tu ne devais plus tourner ta raquette pour frapper. Donc, ça allait des 2 sens comme ça.
Oui, mais une idée doit faire son chemin. C'est comme ça, tu vois. Donc, et alors, c'est aussi écrit dans ce livre que le tennis, ça se joue habituellement sur un terrain en terre battue. Comme ça, si tu es battu, tu es déjà pas tout seul. Ça, c'est pour le mental, c'est bon pour le mental, tu vois. Et le but du jeu, c'est donc de renvoyer la balle, de frapper la balle de l'autre côté. Ça, c'est le but du jeu. Et la connerie de ce jeu, c'est que de l'autre côté, il y a un type qui fait juste la même chose. Et ça, ça peut durer longtemps. Enfin, ça, si au début, ils avaient un petit peu réfléchi et qu'ils avaient mis les deux du même côté, eh bien, ça aurait été beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus convivial, on pouvait parler un petit peu et tout ça. Non, maintenant, c'est obligé, on doit jouer comme ça, parce que c'est comme ça depuis très longtemps. Donc, le tennis, ça se joue à deux, on peut jouer à quatre, on peut jouer seul aussi, mais il faut une condition physique extraordinaire. Donc, la théorie, je me dis, ça va. Maintenant, la pratique, pour la pratique, j'ai été trouvé un professeur de tennis, hein, donc ça existe, hein, des professeurs de tennis. J'ai demandé à ce monsieur, j'ai dit, voilà, est-ce que vous voulez bien m'apprendre un peu à jouer au tennis? Et il m'a dit, d'accord. Enfin, il m'a d'abord demandé de l'argent et puis il m'a dit, d'accord. Tu vois. Et il s'est mis en face de moi, il a dit, voilà, je vais vous lancer la balle et vous me la renvoyez. Ça va, pas de problème. Donc, il me lance la balle, hop, moi je prends la balle, hop. Il commençait à s'énerver. Avec la raquette! J'ai pris la raquette. Hop! Il n'explique pas, il crie. Il me dit, il faut regarder la balle, bien regarder la balle. Cette balle est arrivée, j'ai regardé cette balle, moi. On n'était pas impressionné du tout, hein, cette balle. Enfin, j'ai compris à la fin. La balle est arrivée. J'ai pris ma raquette. J'ai tapé sur cette balle, tu me crois ou tu me crois pas, mais du premier coup, elle était dans le filet. Au football, une heure et demie, il n'y arrive pas toujours. Hein. Moi, du premier coup, elle était dedans. Moi, j'étais content, moi. J'étais... Ouais, ouais, ouais. La dernière chose qu'il m'a expliqué, c'est pour le pourboire. Le service. Le service... Donc, il y a deux choses. Il faut pouvoir donner le service et il faut pouvoir recevoir le service. Pour recevoir le service, tu te mets comme ça. Tu te prépares comme ça. Donc, tu mets la raquette, le manche ici. Et le tamis, là. Parce que là, tu es gêné. Quand même. Et alors, tu te prépares. Tu peux y aller. Tu peux y aller, je suis prêt. Non, non. Non, je... Non, non. Non, je t'assure que non. Enfin, je viens d'y aller. Tu peux y aller. Quoi? J'enlève? J'enlève quoi? J'enlève la housse. Oui. Tu peux... Et allez. J'ai entendu, mais j'ai rien vu, hein. Attends, c'est à moi le service. Attends. C'est à moi le service. Alors, tu énerves un peu l'autre. On a une autre. Prêt? Tu es prêt là? Tu es beaucoup trop prêt. Non, attends. Recule, c'est un bon conseil. Tu connais pas la puissance de mon service. Recule. Recule. Encore. Encore. Encore 2 mètres. Ferme la porte maintenant, oui, c'est ça. Oui. Non, non, attention. Ça, j'ai vu à la télévision. Ouh.
Regarde s'il n'est pas déjà parti en courant. Non, ça va. Ça... Non, la raquette, Maria, non, ça va. Non, mais ma balle, elle est bonne. Elle est là. Et c'est vrai, je ne sais pas s'il y en a qui jouent au tennis, mais on dit toujours, il faut bien prolonger le mouvement. Quand on... Alors, comme ton bras, il a toujours la même longueur et la raquette aussi, finalement, le mouvement que tu prolonges, il aboutit toujours au même endroit, sur le même tibia, sur la même bosse que tu t'es faite la semaine avant. Et ça fait mal. Et ça fait un petit bruit con, comme ça, c'est pop. Et tu peux pas montrer que tu as mal. Alors, je me suis inscrit au club de gym. C'est un club de nuit. C'est Jim le patron. C'est beaucoup. Et il a toujours une bonne blague. Je vous en donne une là, qui m'a raconté. C'est le facteur qui arrive. Il sonne à la porte. Et il y a une petite vieille qui ouvre au troisième étage. Alors, il y a le facteur, il dit c'est pour les calendriers de la poste, madame. Je n'ai pas besoin de compost. Non, je dis c'est pour les calendriers de la poste. Je suis dans un appartement, j'ai pas besoin de compost. C'est dur la vieille. Je dis c'est pour les calendriers de la poste. Je vous dis que j'ai pas besoin de compost. Va te faire foutre avec ton compost. Hein. Et toi avec tes calendriers. Il est quelle heure, Monique? Il est quelle heure maintenant? Oula, là je dois y aller parce que Wolke va se demander où je reste. Ouais, je promenais Blackie ici, je vous ai vu, j'ai dit je vais venir dire bonjour, mais je ne l'ai pas prévenu. Alors je vais, mais avant de vous quitter, je voudrais quand même encore vous lire ceci. Dans les méandres d'une politique hermétique, dans l'horreur des attentats et des guerres ethniques, dans la faune quotidienne des infos, des télés et leurs images à qui sera le mieux choqué, je voulais nous apporter un divertissement. Je voulais vous amuser en vous racontant des histoires, des vraies, des fausses, des drôles, des moins drôles, quelques poèmes, un peu de courrier, bref, des futilités. Mais une chose est sûre, je vous l'assure, le moment que je viens de passer, les rires et les applaudissements dont vous m'avez gratifié sont pour moi le plus beau gage d'amitié et je voulais vous en remercier.